Madame Abdelmalik Fatimetou, je suis maire de la commune de Tefrakh Zeina en Mauritanie. Alors, je viens d'un pays où le Sahel côtoie le Sahara, je viens d'une ville où l'océan vient rencontrer, où le désert vient rencontrer l'océan. Donc, une ville qui a beaucoup de vulnérabilités, l'absence de couvert végétal, la construction illicite sur des zones inondables, l'absence de réseau d'assainissement, la faiblesse du cordon dinaire, le niveau de la mer qui est au-dessus de celui du sol. Donc, un ensemble de vulnérabilités qui nous rend conscients du danger qui guette notre ville et qui nous amène à élaborer des stratégies pour appréhender toutes ces vulnérabilités-là. Et la question de l'eau, parce que l'eau est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, la question de l'eau, elle est transversale à tout ça. Donc, si on parle des changements climatiques, de la réduction des catastrophes, et même des ODD, tout ça, c'est le même langage pour moi. Donc, tout ça verse dans la même convergence, convergitus, et nous devons justement appréhender toutes ces thématiques sous un même angle. Et donc, travailler ensemble avec une approche participative en impliquant tout le monde, mettant à contribution particulièrement les élus locaux qui sont encore une fois les premiers niveaux de réponse parce que c'est sur leur table que les problèmes des citoyens sont posés et compte tenu de la relation qui les lie avec les citoyens, la relation intime qui les lie avec les citoyens, la proximité, donc ils sont encore une fois les premiers niveaux de réponse et on ne les dira jamais assez, le développement est d'abord local avant d'être autre chose. Voilà.